toute la presse en émoi. Ce gosse vient de faire éclater une bombe. Les 400 coups, a dit Henri-Georges Clouzot, est un film qui m'a positivement emballé. Le film le plus sensible que j'ai vu depuis la guerre. Quant à l'appréciation de Jean Cocteau, elle ne fut pas moins élogieuse. Je n'ai jamais été si bouleversé au cinéma. Plus sévère pour la société que main réquisitoire. Bonjour, madame. Petit malheureux, va. Et Georges Sadoul écrira dans les lettres françaises « L'émotion vous saisit. Elle continue de vous serrer la gorge durant les heures qui suivent cette révélation. Un grand talent nous est né, que je salue avec admiration et une respectueuse amitié. » Antoine, il m'a sûrement vu. Ton fils, c'est lequel des deux? Qu'est-ce que tu vas prendre ce soir? Penses-tu? Elle n'osa jamais le dire à mon père. Une histoire prenante, sans révolte spectaculaire. Ainsi qu'en témoigne Paul Guyot dans France Soir, le film a gagné, tout simplement parce qu'il est beau comme tout ce qui va sans phrase, jusqu'au bout de la vérité. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Au sujet de ce film, tout a été si spontanément et si généreusement exprimé jusqu'ici qu'on ne saurait rien y ajouter. Cette œuvre apparaît comme la grande victoire d'une gageure tenue par ce jeune et féroce critique de cinéma qui a osé affronter le danger de la réciprocité en devenant à son tour metteur en scène. Ce film aura fait écrire à Jacqueline Michel dans Le Parisien Libéré « Truffaut a fait mieux qu'un chef-d'œuvre. Une œuvre rigoureuse, vibrante, belle et sincère. » qui nous arrache le cœur doucement, tendrement, sans cri et sans grandiloquence. Les 400 coups ont pour principale vedette Jean-Pierre Léo, qui nous révèle un talent étonnant dans le rôle du gamin terrible de ce film. Patrick Auffay, Claire Morier, Albert Rémy et Guy Decomble. Oui, la recherche de l'absolu vous a conduit droit au zéro, mon ami. Pour les autres moins familiers de Balzac, je dirais qu'il s'agit d'une ténébreuse affaire. De toute façon, après ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends ?